Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85. J'espère qu'aujourd'hui, encore une fois, tout le monde va bien. Moi, j'ai un peu le stress parce que le live approche, c'est dans 6 jours maintenant. Donc, juste avant de commencer à vous parler du Happy Model Mobula 6 HD qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous voulez que je le fasse, donc je le fais. Voilà, parce qu'on me l'a réclamé, c'était pas prévu, mais donc j'ai décidé de me lancer quand même parce qu'il avait l'air pas mal du tout. Donc, on va voir ça ensemble. Juste avant de commencer à parler de ce petit joujou, je tenais à vous signaler que le lien du live était OK. Ça veut dire que maintenant, la page du live est en route. On peut aller dessus via un lien directement. Donc je vous mettrai ce lien dans la description de la vidéo et je vais avoir besoin de vous. Oui, comme je vous l'avais dit, comme les réservations sur la page dont je vous avais parlé sur Banggood il n'y a pas très longtemps, il va y avoir un classement de fait pour ces lives en fonction du nombre de gens qui vont, entre guillemets, dire qu'ils vont venir. Donc là, je vais avoir besoin de vous pour mettre un rappel sur cette vidéo. Donc c'est tout simple, vous cliquez sur le lien de la vidéo du live, je vous le mettrai en description, vidéo du live en gros. Vous cliquez sur ce lien, vous vous retrouvez sur une miniature, parce que la vidéo n'est pas encore en route bien sûr. Et dans la vidéo, vous allez voir en bas à gauche, je crois pour vous, il va y avoir un petit endroit marqué « Mettre un rappel ». Donc vous cliquez simplement sur ce petit encart « Mettre un rappel ». Donc ça, c'est sur PC. Si vous ouvrez le lien à partir d'un smartphone, vous allez vous retrouver sur une page à peu près la même chose, mais il faudra être sur YouTube pour pouvoir mettre un rappel. Donc quand vous êtes sur cette page sur smartphone, si vous ne voyez pas « Mettre un rappel », tout en haut à droite, vous allez voir trois petits points verticaux. Vous cliquez là-dessus et ouvrir avec YouTube tout simplement. Donc vous allez vous retrouver sur la page YouTube. J'espère que vous serez connecté automatiquement. Et là, dans cette page YouTube, vous verrez ce fameux petit encart dans la vidéo, dans la miniature, marqué « Mettre un rappel » tout simplement. Vous cliquez et c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Ceci étant dit, le tableau de coupons et promos est remis à jour aussi. Vous y trouverez le Mobula 6 HD avec un petit coupon remis aussi. Et il y a eu pas mal d'entrées encore cette fois-ci. Donc, c'est parti, on va parler de ce petit Mobula de chez Happy Model. Moi, j'avais testé le Mobula 7 à l'époque, qui était plutôt pas mal, hein, assez résistant, il volait plutôt bien, avec une petite caméra basique, j'ai envie de dire. Là, on nous a mis une nouvelle petite caméra, la Runcam Split 3 Lite. Alors, Runcam Split, on connaît, ça marche plutôt bien, mais le petit défaut, c'était la clarté de la vision FPV. Voilà, les images étaient correctes en HD, mais au niveau du retour FPV, c'était pas le top top. Les Runcam Split, en général, là, ils ont amélioré, donc je sais pas si c'est dû à la grosse lentille qui est là, qui est d'ailleurs un de ses petits défauts, je pense, parce que la lentille est vraiment, vraiment très, très exposée. Donc on peut pas mettre de protection devant parce que c'est un fauve très large, on est à 165 degrés je crois quand on est en 16/9e. Donc on peut pas mettre de protection sinon ça apparaît dans la lentille, mais la lentille est vraiment bien exposée. Donc attention au choc, j'espère qu'on va pas la casser. Bon, j'ai fait 2-3 vols pour l'instant, tout va bien. Jusque là tout va bien, pourvu que ça dure. Mais on va en revoler aujourd'hui, on va se faire un petit vol en intérieur et puis j'irai peut-être faire un petit tour dehors. S'il n'y a pas trop de vent, mais on va rester autour de la maison. Sinon, on a 4 petits moteurs dessus, des EX0802, faites-moi confiance, vous ne verrez rien, de chez Happy Model en 19 000 kV, qui ont un petit Anthrax moteur de 1 mm. Des hélices en 12-19 en 3 pales, rouge pour pouvoir les retrouver si vous les perdez. Une petite carte de vol Crazybee F4 Lite AIO qui contient les ESC également. Donc on voit qu'on a les moteurs qui sont branchés et non pas soudés, la petite prise micro USB qui est en dessous. Et par rapport à la prise micro USB, si vous allez juste à droite de cette prise là, on aperçoit le petit bouton de bind ici pour binder le récepteur. Parce que sur cette carte, c'est un récepteur SPI, donc c'est un récepteur intégré. Vous l'avez en FRSky, en FlySky, celui que j'ai pris, ça faisait longtemps que j'ai pas pris du FlySky, et en DSM, DSMX également. Sinon, vous pouvez le commander aussi en version sans récepteur et vous y mettrez votre propre récepteur, il n'y a aucun souci. Il n'y a que le firmware qui va changer dans la carte de vol en fonction du récepteur que vous allez demander. Donc, moi, c'est le SPI en FlySky. Vous trouverez à la fin de la vidéo, bien sûr, dans l'outro, tout mon Betaflight complet. Donc par rapport au SPI FlySky que j'ai là,
Mais à partir du moment où vous avez une carte avec le récepteur intégré, ce sera les mêmes données dans le Betaflight. Sinon, ça fonctionne en DShot 600. C'est un ESC 4 en 1 qui fait 5 ampères jusqu'à 6 ampères en pic. Donc, il ne prendra que le 1S. 1S et l'IHV ou l'IPO. Juste au-dessus, on voit la petite carte de la Runcam Split 3 Lite avec l'emplacement de la carte mémoire. Alors là, il vous faudra des pinces à épiler. C'est obligatoire. La carte mémoire se met ici, juste au-dessus du châssis. Donc, pas facile à insérer. En même temps protégée en cas de choc, elle risque pas de sortir toute seule, vous ne la perdrez pas. Donc carte mémoire de classe 10 parce que la carte enregistre en 1080p, 60, 50 et 30 fps et aussi en 720p, mais nous ce qui nous intéresse c'est le 1080p 60 fps. Juste derrière on a le petit bouton sur la gauche ici qui permet de démarrer ou d'arrêter la vidéo, mais elle sera programmée pour lancer l'enregistrement automatiquement. Donc si vous débranchez au lieu de couper la vidéo, comme d'habitude vous perdrez 2 à 3 secondes de vidéo. Donc si vous vous êtes posé le temps que vous veniez et que vous débranchez, vous n'aurez pas perdu grand chose d'intéressant. Et juste à côté ce petit bouton, vous avez une petite prise ici où on va pouvoir difficilement insérer la prise de la télécommande pour pouvoir modifier les paramètres de la Runcam Split. Alors pas facile du tout, hein. Il va falloir venir tordre un petit peu le châssis ici pour pouvoir insérer la prise. Heureusement, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois si vous voulez modifier les paramètres. Donc une petite canopée assez résistante, ma foi, c'est le même style qu'il y avait sur la première version. L'antenne du VTX, je vais juste vous donner un petit conseil. On voit que l'antenne du VTX ici sort directement de la carte de vol. Et en fait, cette antenne VTX est complètement en cuivre. Donc faites juste attention que l'antenne ne vienne pas frotter sur la carte de vol. Je dis pas que ça va tout faire exploser, mais ça peut faire des interférences. Donc voilà, vérifiez bien que l'antenne soit décollée de la carte de vol. Donc là, c'est tout simple, hein. Vous prenez une petite pince à épiler, hop, et vous l'écartez légèrement ici de la carte de vol. Après, ça ne bouge pas parce qu'elle est assez rigide. La petite antenne du récepteur, elle, est juste en dessous. Vous pouvez la ressortir et la passer par au-dessus, mais par en dessous, ça ne gêne pas. Le VTX, c'est un 40 canaux en 25 mW. On n'a pas possibilité de monter. Après, c'est un engin de proximité, hein. Déjà, si vous avez un récepteur SPI, vous allez être limité à une centaine de mètres. Ils disent entre 100 et 200 mètres. J'ai envie de dire une centaine de mètres. Donc, c'est pas fait pour aller à Perpète-les-Moulineaux. Vous ne connaissez pas Perpète-les-Moulineaux? C'est juste à côté de Bouillou-la-Mayenne. Bref, pas grand chose d'extrêmement nouveau sur ce petit module A6, mis à part bien sûr cette caméra qui filme en 1080p sur un tout petit engin. Donc on va avoir un poids total pour ce bébé, 22-23 grammes. On va bien sûr regarder comment il est fourni. Allez, c'est la fête. On a une grosse boîte en carton comme ça. Donc vous aurez un petit chargeur individuel. Bien sûr, je vous recommanderais, je vous mettrai le lien dans la description de celui-ci qui a besoin d'une petite alimentation 24 volts. Et ça permet de recharger jusqu'à 6 batteries, que ce soit des LiPo ou des LiHV. Donc là, sinon, une par une, avec un petit bouton dessus, LiHV ou LiPo de base. Vous aurez une petite pochette avec 4 hélices de rechange, des petites vis également de rechange si vous avez besoin, un petit outil pour extraire les hélices et un tournevis. Ouais, encore un de plus dans la boîte à outils. Il y aura 4 batteries 250 mAh, donc ce sont des LiHV en 3060C. La fameuse télécommande Runcam que vous allez devoir brancher sur votre engin si vous voulez modifier les paramètres de la caméra, et une petite notice toute simple selon la version que vous aurez commandée avec les emplacements des branchements, comment binder l'appareil. Donc ça, encore une fois, c'est tout simple, surtout que là il peut s'alimenter directement avec l'USB, vous n'aurez pas forcément besoin de brancher la batterie. Donc pour le FlySky, j'ai bindé en FS2A et ça m'a donné 14 canaux, donc c'est plutôt pas mal même si on n'a pas besoin de tout ça. Donc voilà pour la petite notice habituelle, quelques conseils également si vous voulez changer le firmware ou aller voir dans les ESC qui tournent sous BLLIS, donc la base j'ai envie de dire, mais encore une fois vous aurez tout mon bêta à la fin de la vidéo, donc vous aurez ce qu'il vous faut en renseignement je pense. Au niveau des batteries, donc on a ces 4 petites batteries là qui font 250 mAh, je vais tester aujourd'hui, j'ai une 300 mAh de chez Beta FPV qui est 2 grammes plus lourd, à peine 2 grammes plus lourd avec le petit câble adaptateur ici, puisque là bien sûr c'est BT2, alors que là on est en PH2.0 pour ces prises là.
Donc on testera, voir si on gagne un petit peu en autonomie. Petit défaut de cet appareil, c'est que vous aurez des vols, allez, on va dire entre 2 et 3 minutes. Par contre, c'est pas un appareil pour faire le ouf. C'est un engin qui reste en 1S quand même, donc vous allez pouvoir faire des rolls ou des petits flips, mais vous attendez pas à faire des figures de malade ou à pousser comme un taré, parce que si vous poussez, vous allez voler une minute, grosso modo. Pour moi, avec la caméra qui filme en 1080p 60fps, c'est presque un petit drone pour faire un petit peu style ciné-whoop, comme on a vu avec le eFlight, le Alpha 85. C'est un petit whoop qui permet d'aller filmer dans des petits endroits sous les chaises, etc. Mais encore une fois, je pense que ce sera plus en mode balade qu'en mode énervé. Voilà, parce qu'en mode énervé, je vous dis, vous aurez vraiment très très peu d'autonomie. Donc c'est parti, je vais le mettre en route, on va se faire un petit test en vol à vue juste là, pour voir un petit peu le bruit qu'il fait et ses réactions en vol, voir s'il est fluide. Et juste après, ben, on part en FPV, tout simplement. Allez, let's go. Tac. Bien sûr, on parlera de la radio, hein. Ça, je vous en parlerai pendant le live. Pareil, les X-Flip Modular, je vous en parlerai pendant le live. Ah, tais-toi pendant que je parle. Et puis, bien sûr, je ferai une revue complète par la suite. Donc on a deux petits clips en plastique ici qui permettent de pouvoir passer un élastique pour maintenir plus facilement la batterie. Donc j'attrape l'élastique, j'insère ma batterie et je remets l'élastique. Donc je mets le câble à l'opposé ici parce que comme on a assez long, ça permet de l'attraper tout simplement. C'est parti. Donc faut vraiment monter assez haut le throttle. Là je dois être à environ 50% de throttle pour le maintenir. Donc c'est vraiment pas un foudre de guerre, par contre il fait vraiment pas de bruit. Il est vraiment très doux. Un petit test de punch, vous allez voir, ça casse pas des briques. Dans 3, 2, 1. Vous voyez, donc ça permet d'esquiver les obstacles, sans problème. Mais ça permet pas de faire des figures monumentales, ça c'est clair. Donc voilà pour ce petit Mobula 6 HD en vol à vue. C'est mignon. C'est mignon quand c'est petit et surtout, on ramène des images HD. Donc c'est ça qui est top. Allez, ça ira pour le vol à vue. Vous avez tout compris, j'imagine. Allez, on se pose. Tac. Pour finir la batterie, j'ai branché la télécommande et je vais tout de suite vous montrer les paramètres. Donc voilà, on est dessus. Alors le souci, quand vous allez rentrer dans les paramètres, ici, je clique au milieu, c'est qu'on se retrouve mélangé un petit peu dans l'OSD. Donc j'ai activé, vous le verrez dans mon Betaflight, un switch ici qui permet de retirer l'OSD. Voilà, c'est plus simple pour naviguer. Donc on descend, on va sur les paramètres vidéo, donc résolution 1080, attendez, je vais vous mettre sur le vert, vous verrez mieux, 60 fps, 720-60, nous on reste en 1080-60, enregistrement en continu, on met off, ça c'est pour réenregistrer sur des fichiers déjà existants, auto-enregistrement oui, sauver et sortir, comme vous le voyez c'est en français parce que j'ai mis en français déjà, image, donc image saturation, contraste, brightness, j'ai rien touché, je trouve ça plutôt correct d'origine, retournement d'image. On continue, mode de mesure moyenne, ça c'est plutôt pas mal, plutôt que le spot ou le central, je reste toujours en moyenne. Champ de vision large, on a moyen et étroit, donc large bien sûr, on peut sauvegarder et sortir. TV out ici, donc 16/9 ou 4 tiers tout simplement, donc moi je suis laissé en 16/9. Mode TV, PAL ou NTSC, sauver et sortir. Carte mémoire c'est pour la formater. Général, c'est pour la fréquence d'alimentation, le volume, parce qu'on a le son. Auto power up, économie d'énergie, non. Et réinitialiser, langue française ou autre, si vous préférez. Sauver et sortir. Et là, on a terminé le paramétrage, tout simplement. Donc on peut remettre, tac, l'OSD. Allez, c'est parti pour un petit vol en FPV. Allez, on est parti. Bon vol, les amis. Alors il est doux à piloter, hein, ça c'est clair. En plus les rates qui sont programmés d'origine sont justement des rates assez douces pour pouvoir le piloter façon un petit peu ciné-whoop. Et l'image est étonnamment claire pour une runcam split. L'image FPV, hein, je vous parle, pas de la HD. La HD est plutôt jolie en 60 fps.
je n'ai pas trouvé trop de défauts au niveau de la HD. Mais l'image FPV est beaucoup plus propre, beaucoup plus nette. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendrez compte, bien sûr, par rapport au DVR. Mais faites-moi confiance, c'est beaucoup plus propre que les anciennes Runcam Split. C'est beaucoup plus net. On voit bien les détails. Donc là, on va se faire un petit vol tranquille. Donc comme je vous disais, vous voyez, on est obligé de le maintenir à mon throttle. Vous voyez, je suis à 50-60 pour pouvoir le maintenir à hauteur. Donc il demande quand même de pousser pas mal. Et c'est ce qui fait qu'il est assez simple à maintenir en l'air, en fait. Hein. Ah, les images. J'aime bien filmer ce petit halo de plantes. Donc là, je suis devant la baie, j'ai un peu de courant d'air. Ah, les images sont assez jolies. Hein. Donc en stabilisé, c'est pas forcément... le mieux pour avoir de l'image stabilisée, c'est sûr, même si c'est le nom du vol, ça s'appelle stabilisé, mais c'est vrai qu'en accro, on a des images beaucoup plus fluides. Vous voyez, je suis déjà à 3,30, je suis à 2 minutes de vol, donc sur ces batteries-là, avec les réglages que j'ai mis dans bêta, là, je peux descendre à aller 3,10, 3 volts, et quand je débranche la batterie, elle est en fait à 3,50, 3,60, donc ça va, c'est plutôt correct. Donc là, on va se finir le petit vol tout doux. Donc vous voyez, c'est assez facile de gérer la hauteur de l'appareil et les directions. On peut vraiment passer dans de petits espaces. Hop, hop, petit slalom. Ah, 3,20 volts, ça clignote. Bon, c'est pas fini, hein. Je peux aller à 3,10, hein, je vous ai dit. On va filmer un petit peu ici parce qu'il y a pas mal de couleurs. Hop, un petit coup de ventilo sur la tête. Là, vous voyez, il faut que je mette un petit peu plus au niveau du throttle. Donc j'arrive en fin de batterie. Allez, on va se poser. 3 minutes, c'est pas mal. Tech ! Hey, hey ! Donc j'installe la batterie Beta 300mAh et on va voir si on gagne un petit peu. Donc on voit le petit point lumineux en haut à droite de l'écran dans le DVR, ça veut dire que l'enregistrement est parti sur le drone. Donc c'est parti avec la petite batterie 300mAh, let's go! Je suis toujours aux environs des 57-60% pour le maintenir. J'ai pas l'impression de forcer beaucoup plus. Oui, c'est vrai que j'ai pas des rates très élevés. Allez, des cascades. Bon, ça va que ça lui fait pas peur. Oh, ben décidément, il est large. Il prend de la place. Aïe, ça passe pas. D'un côté, ça passe, mais pas de l'autre. Allez comprendre. Eh ben, dis donc. Vous saurez qu'avec la batterie Beta 300mAh, on est beaucoup moins agile. Donc là, j'ai volé un peu plus vite. Un peu plus énervé. Donc la batterie est descendue plus vite. Aussi, mais bon, je pense pas qu'on va gagner énormément avec cette batterie là par rapport à celle fournie.
C'est vraiment bien étudié, hein. S'il donne un poids, c'est que ça joue énormément. Il a déjà la cam HD qui lui tire sur la couenne. J'arrive à 2,24, vous voyez, je suis même un peu en dessous. Bon, j'ai poussé un peu plus, j'ai eu plus d'accidents, mais ça me donne pas beaucoup plus d'autonomie, hein. 2,35, je suis sûr que je peux peut-être pousser à 3 aussi si je vais tout doucement, mais on gagnera pas énormément. Allez, pique. Allez, on se refait un dernier petit vol. Cette fois-ci, on va aller en extérieur, voir ce que ça donne. Il n'y a pas trop de vent. C'est parti. Ouvrez la cage aux oiseaux, tout ça. Allez, je passe en mode accro. Donc forcément, on aura peut-être un petit peu de perte. Alors là, 25 milliwatts, je tente le tour de la maison, de l'intérieur. Là, c'est le plus compliqué. Il a perdu la télémétrie, mais il l'a retrouvée. Ouais, donc vraiment un manque de pêche sérieux, hein, c'est sûr, en 1S. Je vous dis, c'est vraiment un drone spécial cinématique pour moi. Il n'y a pas grand chose à faire de plus, on fera pas du gros freestyle avec ça. Mais on peut sortir de belles images, j'ai l'impression. Tout doux. Allez, on se retente un tour de la maison. Wow. J'ai vraiment des rates trop basses, j'aurais dû en paramétrer une un peu plus haute. Mais on va pouvoir jouer un petit peu, hein, bien sûr. Faut anticiper et vraiment bien mettre du gaz sur la redescente si vous voulez récupérer. Hop là, vous savez où j'ai failli tomber là? Dans le spa. Ah, je vais chercher. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Bon, l'avantage de voler dans le jardin, c'est qu'il est jamais très très loin quand même. Donc voilà les amis, pour ce petit Mobula 6 HD. Donc ben voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un petit engin pour faire de la petite cinématique chez soi, pour voler tranquillou pilou, j'ai envie de dire. C'est pas un gros freestyler, c'est pas un racer non plus, enfin si, c'est un petit racer. Mais voilà, pour moi, il est pas fait non plus pour aller taper dedans, parce que je vous dis, avec une minute trente d'autonomie en poussant dedans, c'est un petit peu court. Donc voilà, je ne lui mettrai pas forcément une très très grosse note. Il vole bien, hein. Il est bien réglé d'origine. Il est assez résistant parce que c'est très souple, on connaît ces châssis-là. Et c'est assez facile à changer puisqu'il n'y a pas grand-chose à souder, entre guillemets. L'image FPV est plutôt jolie. Le rendu HD est plutôt joli aussi, ma foi. J'ai pas envie de lui mettre une grosse note, tout simplement parce que l'accessibilité à la prise pour régler la caméra est très compliquée. L'accessibilité pour mettre la carte SD, c'est compliqué aussi. La petite antenne FPV, bon, j'aurais aimé un petit truc un petit peu mieux protégé, un petit peu plus sorti de la carte de vol. De façon à pas avoir à checker ça, parce qu'après un choc ou deux, si ça se trouve, on va pouvoir faire toucher le cuivre de l'antenne sur la carte ou sur un composant de la carte, je ne sais pas. Donc ouais, quelques petits défauts qui me font pas lui mettre une grosse note, même si pour le rapport qualité-prix, je pense que ouais, un 17 sur 20 va être bien, mais pas plus que 17 sur 20, parce qu'il y a des choses qui sont reloues. Je vous assure que mettre la prise, c'est relou, la prise de la télécommande de la caméra. La carte mémoire, c'est chiant aussi, si vous n'avez pas une pince à épiler sous la main, c'est vraiment relou. Bonne petite config, c'est sûr. Une caméra orientable à 0, pratiquement à 5-10 degrés pour les débutants, et qui va monter jusqu'à peu près, on va dire 38-40 degrés si vous voulez aller un peu plus vite.
donc malgré que ce soit un bon petit engin quand même, qui vole bien. Mais voilà, manque d'autonomie, un petit peu, peut-être des moteurs, je sais pas, 14 000 kV, ça aurait peut-être été un petit peu mieux, avec des hélices 4 pales, je sais pas. En attendant, voilà ma revue pour ce petit Mobula 6 HD, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à aller mettre un rappel sur le live, sur la vidéo du live surtout. Pour ceux qui ne savent pas, j'explique au début de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi. Prochaine vidéo, c'est le live. Donc on se retrouve le 22, mercredi prochain à 20h. Je ne ferai pas de vidéo entre-temps parce que... qu'il va falloir que je répète, il va falloir que je me déstresse. Donc on se revoit le 22 à 20h. Et puis moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao.